Concernant la poste qui devait s'installer, Ilo et Elena, est-ce que vous avez un engagement ferme de la part de la poste ou pas encore? Non, là il s'agit du vote du procès-verbal. C'est pour un droit de suite, vu qu'on en avait parlé la dernière fois, justement, oui, c'est dans le procès-verbal. Je vous donnerai des réponses. Lors des questions orales, peut-être? Voilà, au prochain. Approbation du procès verbal du conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions d'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L21-22-22, puis la délibération du 23 avril 2014, sont été par la délibération du 23 mai 2014. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte des décisions municipales suivantes. 1706-0119 du 8-06-2017 au 1707-0167 du 20-07-2017. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser? Sur la poste, mais j'ai pas le droit. Ordre du jour numéro 3, achat de matériel alternatif au désherbage et l'entretien d'espaces verts avec le pesticide, demande de subvention à l'agence de l'eau, madame Fiche. Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités sont particulièrement concernées par l'interdiction d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques, excepté les produits de biocontrôle, ceux utilisables en agriculture biologique et à faible risque. À cet effet, la ville a élaboré un plan de gestion différencié, ainsi qu'un plan de désherbage communal applicable à l'ensemble des espaces publics communaux. Ceux-ci sont en cours de finalisation. Le conseil municipal a délibéré le 20 juillet 2016 afin de solliciter l'aide de plusieurs partenaires afin d'aider au financement de ces études, étape préalable à l'obtention de soutien financier à l'achat de matériel. L'objectif est de réduire la pollution engendrée par les pratiques de désherbage actuelles des espaces publics en adaptant l'entretien sur chaque espace géré par la mise en œuvre de méthodes alternatives efficaces. Pour répondre à cette problématique, il a été réalisé l'état des lieux des pratiques d'entretien actuelles et un inventaire de zones entretenues, travaille avec les agents du centre technique municipal et les entreprises intervenantes de la ville. Une classification des espaces en fonction du risque de transfert vers les ressources en eau. Une définition des objectifs d'entretien en concertation avec les acteurs locaux. Un niveau d'exigence d'entretien propre à chaque site a été défini afin de passer du stade tout horticole sur l'ensemble de la commune à des entretiens raisonnés en fonction de la situation et des usages de chaque site.
La ville peut ainsi compenser des coûts liés au changement de pratique en limitant le temps passé par les agents sur l'entretien de certains secteurs où les exigences paysagères sont plus faibles et en concentrant les efforts sur les espaces où ces exigences sont plus importantes. Elle peut également favoriser la biodiversité sur certains secteurs en réduisant la pression d'entretien et en laissant la végétation se développer de façon raisonnée. L'élaboration de cette stratégie d'intervention et un plan d'action s'appuyant sur un diagnostic réalisé. La préparation d'une méthode de suivi de la démarche. Cette législation entraînant une démarche de gestion susceptible d'entraîner une vision inhabituelle des espaces, un plan de communication est également en cours de réalisation afin d'apporter à la population locale et touristique des éléments d'information. De plus, pour répondre à ces nouvelles pratiques d'entretien, des acquisitions de matériel adapté sont nécessaires. Le montant de ces acquisitions a été estimé à 43 500, donc qui seront pris en charge à 80% par les subventions. L'achat de ce matériel est susceptible d'être subventionné par l'Agence de l'eau. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à solliciter le concours financier le plus élevé possible de l'Agence de l'eau. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Délibre numéro 4, subvention de fonctionnement en 2017, Madame Moitié. Lors du vote du budget primitif 2017, le 4 avril, les subventions 2017 ont été attribuées conformément à la liste annexée au budget. Il est proposé au Conseil d'attribuer une subvention complémentaire au Centre communal d'action sociale à hauteur de 20 027 euros. Il est donc demandé au Conseil municipal, vu le rapport relatif aux subventions de fonctionnement pour l'année 2017, vu l'article L23-7 du Code général des collectivités territoriales, de décider d'attribuer au Centre communal d'action sociale une subvention complémentaire d'un montant de 20 027 euros, de dire que la charge correspondante est prévue au chapitre 65 du budget 2017. Des questions ? Une question qui est contre, qui s'abstient, merci. Délibération numéro 5, Société publique locale SBL Sophia, rapport de gestion 2016. Monsieur Père. Madame le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Alors, conformément à l'article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leur groupement d'actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. Il est donc précisé que la commune de Valoris n'a pas d'opération en cours confiée à la SPL Sophia. Il est proposé maintenant au conseil municipal de bien vouloir approuver le rapport de gestion de l'exercice 2016 de la SPL Sophia et de donner quitus à l'administrateur représentant la collectivité pour l'exercice 2016. Le rapport a été mis en annexe. Voilà, Madame le maire. Des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 6. Bilan, cession et acquisition bien immobilier année 2016, monsieur Piano. Le conseil municipal est informé de toute cession et acquisition de biens immobiliers effectuée par la commune, ainsi que celle opérée par une personne publique agissant dans le cadre d'une convention avec la commune. Elles doivent être portées à sa connaissance conformément aux dispositions de l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales. L'ensemble des actes réalisés à ce jour sont communiqués dans le respect du texte précité et répertoriés dans le tableau en annexe. Annexe 1, acquisition et vente de 2016 et annexe 2, convention en partenariat. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte de la communication du bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières concernant l'année 2016. Alors je vais vous compléter quand même les annexes parce que pour ce qui est la convention de partenariat, c'est les montants acquittés par le PF PACA dans les deux opérations qu'on fait avec eux. C'est-à-dire que sur Rayon de Soleil, ils nous ont versé, ils nous ont racheté pour 2,4 millions et sur Rayon de Valoris sur 1,3 million. Ça, il fallait savoir dans le tableau. Les autres, c'est sur acquisition. Et le tout petit morceau qui est en riz par bus,
C'est suite à, quand on a recalibré la voirie avec les services techniques, il y avait eu une erreur avec un propriétaire, donc on a régularisé pour 1 € et on a remis les choses comme il fallait. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions qui est pour Saint-Denis. Donc, 500.7, convention publique d'aménagement, bien de retour en mai 2016. Par délibération en date du 16/7/2002, le conseil municipal de la ville de Valoris avait confié la requalification du centre ancien à la CENIVAL dans le cadre d'une concession d'aménagement. Celle-ci étant arrivée à son terme le 30 juin 2017, il convient d'acquérir les biens en retour conformément aux articles 13 et 23 de la convention. Il s'agit prioritairement de biens immobiliers dont les montants sont en dessous du seuil de consultation obligatoire par la douane des évaluations domaniales, à savoir un garage, un bien du cabanon 25 000 €, 45 de Rémambel, le LOE pour 36 000 €, c'est un appartement, une maison 8 impasse des Tours, bon, elle n'est pas dans un super état, donc vous voyez les prix, LOE à 5,49 de Rémambel, c'est 49 000 €, 14 rue Clémambel, 45 000 €, 55 rue Clémambel, 50 000 €, 8 rue de la Fontaine, 3 000 €, 4 rue Clémambel et 13 rue Bonnet. Bon, le tout fait un montant de 315 000 €. Donc ça, vous l'avez compris, c'est tout ce que la CENIVAL a rénové pour le compte de la ville. Là, sur ses fonds propres, maintenant on les rachète. Les biens suivants du fait de leur montant font l'objet d'une demande de consultation auprès du service des domaines qui est en cours. Leur acquisition est toutefois proposée au prix d'achat de ces biens par la CENIVAL dans la limite de l'évaluation franco-belge. Un immeuble rue des Grands Ors à 198 500 et une maison 9 rue des Grands Ors à 290 000 €, ce qui fait un total de 482 500 €. Ils ont proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des biens cadastrés BZ119, BW368, BW388. BW370, BW306, BW373, BW228, BW334, BW298 et 300, BW300 et les ci-dessous et d'un montant total de 315 000 €. D'approuver l'acquisition des biens cadastrés BW458, 455 et 456. Décrit ci-dessous est d'un montant total de 482 000 € dans la limite de la validation de ces prix par le service des domaines. D'autoriser M. Edouard Jean-Maurin, délégué, à engager toutes les démarches à signer tous les documents relatifs aux actes et effets ci-dessous exposés. Vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 8. Rétrocession du commerce 16 avenue Clémenceau, cahier des charges, M. Pierre. Dans la perspective de préserver l'équilibre et la variété de l'action commerciale, de l'activité commerciale dans le centre-ville de la ville de Valoris, dans la perspective de préserver l'équilibre de la variété de l'activité commerciale dans le centre-ville, la ville de Valoris a fait l'acquisition suivant une décision de préemption en date du 28 juillet 2016 d'un fonds de commerce localisé 5 rue Georges Clémenceau à Valoris, à l'enseigne La Pignate, c'est à côté du coiffeur chez René, cadastré BW755, immatriculé au registre du commerce d'Antibes sous le numéro 428-278-12. L'acte de cession est intervenu le 25 octobre 2016. Conformément aux dispositions légales, la ville de Valoris souhaite rétrocéder ce fonds de commerce selon le cahier des charges établi qui doit être approuvé en conseil municipal. Un avis de rétrocession sera publié par la commune pour appel à candidature. La rétrocession fera ensuite l'objet d'une délibération au conseil municipal indiquant les conditions et les raisons du choix du cessionnaire. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le cahier des charges de rétrocession annexé, d'autoriser Madame le maire et son représentant à engager les démarches à signer tous les documents relatifs aux actes et effets ci-dessus exposés. Des questions? Oui, simplement, la préemption et l'achat du local étaient prévues de façon à pouvoir maîtriser ce qu'il y a des affaires à la suite.
Ça vous permet de lancer un appel à la candidature. Voilà. Donc on n'aura pas forcément un traiteur. On va essayer. L'idée, c'était quand même de maintenir cette activité. Donc ça vous permet, avec la délibération, de pouvoir faire un appel à la candidature. Pour avoir l'eau, pas l'eau, les provocations, commerce de bouche, voilà, le terme. L'idée, c'est de maintenir. Si on ne peut pas maintenir, s'il n'y a pas de retour intéressant dans ce sens, là, on va basculer. Et ça nous permet aussi de basculer sur une occupation artistique. Parce que l'idée, bon, effectivement, c'est de récupérer les commerces pour avoir des possibilités d'accueillir tous les artistes, puisqu'on a une liste qui est longue. Pour autant, là, spécifiquement, on y demande quand même des usagers. On va faire un appel à candidature, on va voir ce qui revient, si c'est intéressant, viable, pas viable, parce qu'il faut quand même que ce soit des gens sympas. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, on ne s'orientera pas sur un commerce plutôt pour des artistes. Mais on est obligé de passer en délibération pour pouvoir faire ce qu'on fait pas. C'est juste pour avoir des positions, ce que vous entendez par cohérence, parce que le haut, serait plutôt en relation commerciale pure, et après vers le bas de l'avenue, avoir, comme vous dites, des potiers, des artistes, et réserver le haut à des commerces, charcutier, traiteur, boulangerie, il y en a déjà pas mal, mais avoir ce genre de cohérence dans le haut, et plus artistique. Il y a d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient, merci. Point 9, fourniture de produits d'entretien pour les services communaux, marché public, autorisation de signature, Madame Fiche. Les services municipaux utilisent des produits d'entretien et d'hygiène pour la réalisation de certaines missions de service public. Jusqu'en 2016, ces fournitures étaient commandées via deux marchés publics. Produits d'entretien prend en 80 000 euros TTC par an à l'entreprise Papone. Sac poubelle pour un montant de 11 000 euros TTC par an à l'entreprise Interpac. Les marchés étaient passés pour 2 ans et le montant total de commandes réellement payées a été de 102 700 euros par an. Les produits spécifiques aux cuisines, pour eux, ne donnaient pas lieu à un marché. Les commandes étaient passées pour un montant de 11 700 euros TTC par an. Un groupe de travail a donc été monté avec les services utilisateurs afin de tenir compte au mieux de leurs besoins, d'ajuster en conséquence les bordereaux des prix et de tendre vers le recours à des produits moins nocifs pour les utilisateurs et l'environnement. Un nouveau cahier des charges a ainsi été monté en supprimant les produits dangereux ou interdits ou en limitant leur usage pour la mise en place de doseurs et les besoins ont été répartis en silos afin de permettre à la concurrence de mieux jouer. La consultation a été placée sous le format suivant. Procédure d'appel d'offres ouvert avec une consultation au niveau européen en application des articles 67 et 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. Allotissement par regroupement en famille de produits comme suit. Numéro 1. Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène, maximum annuel 22 000 euros hors taxe. Numéro 2. Fourniture de matériel d'entretien et d'hygiène, maximum annuel 118 000 euros. Hors taxe toujours. Lot numéro 3, fourniture de produits en papier, maximum annuel 26 000 euros hors taxe. Fourniture de vaisselle jetable, maximum 5 000 euros hors taxe. Lot numéro 5, fourniture de sacs poubelles, maximum 9 000 euros hors taxe. Le numéro 6, fourniture de produits spécifiques pour cuisine, maximum 53 000 euros hors taxe. Les contrats seront passés pour une durée de 1 an à compter de leur notification renouvelable tacitement d'un limite de 4 ans. Les critères de sélection des offres ont été fixés comme suit. Valeur technique 50%, prix 40%, délai maximum de livraison 10%. La valeur technique étant appréciée pour certains lots au regard d'échantillons testés par les services utilisateurs. La publicité a été lancée le 17 mars 2017 au bulletin officiel des marchés publics, au journal officiel de l'Union européenne et sur la plateforme de dématérialisation de la ville AWS. À la date limite de remise des offres, au 4 avril 2017, 10 prix ont été reçus dans les délais d'entreprises suivantes: Interpac, Avena Frontex, Paredes, Adelia, Disprime, Papone, Toilvis, SNC-ECI, Nice Équipement Service et Sud-Est Chine. Le représentant du pouvoir adjudicateur a procédé à l'ouverture des prix et à l'enregistrement des offres le jeudi 27 avril 2017.
La commission d'appel d'offres, qui s'est valablement réunie le vendredi 7 juillet 2017, a procédé à la présentation de l'analyse réalisée par les services municipaux au classement des offres par application des critères. Pour les lots 1, 3, 4 et 5, comme suit, l'attribution des lots 2 et 6, nous pouvons se faire l'analyse des offres, est encore en cours. Lot numéro 1, premier, Nice Équipement Service. Deuxième, Col 10. Troisième, Pacone. Quatrième, District. Donc le lot 1 est attribué à Nice Équipement Service. Lot numéro 3, premier, Nice Équipement Service. Deuxième, Col 10. Troisième, Pacone. Quatrième, Paredes. 5e Adelia, 6e Distrim, 7e Sud-Est Chimie, 8e SNC. Possible. Donc attribué également à Nice Équipement Service. Donc c'est le lot qui a le plus de réponses. Lot numéro 4. 1er Nice Équipement Service, 2e Papon, 3e Abena Frontex. Et le lot 5. Il y en a 4 qui ont été attribués, le 1, le 2, le 3 et le 4. Il manque une page. Je vous demande un instant de patience. Les 5 poubelles. Les 5 poubelles, donc. Fourniture des sacs poubelles, Interpack. Le lot 5, Interpack. Premier, Paredes, deuxième. Les pièces de candidature des entreprises qui ont été premières et agréées celles-ci.
Par conséquent, sa décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché public correspondant à Nice Équipement Service pour les lots 1, 3 et 4 à Interpac pour le lot 5 est validée. Et donc, demander aux conseillers municipaux d'autoriser Madame le maire à signer les pièces des marchés correspondants, y compris les modifications en cours d'exécution du contrat qui feront bien évidemment sa durée. Il est donc proposé au conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, notamment article L21-22-21-6e, l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les articles 67 et 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux procédures d'appel d'offres soumises, considérant l'avis d'appel d'offres à concurrence lancé par la commune en date du 17 mars 2017 et les 10 offres présentées à la date limite de la remise des offres par Interpac, Avetarsebrex, Paredes, Adelia, Visto, Parcon, Colvis, SNCEC, Business Equipment Service et Sud-Est Chimie, considérant le rapport de l'analyse de l'appel des offres et le classement opéré par la commission d'appel d'offres lors de la séance du 7 juillet 2017, considérant le PV d'appellement de la candidature en date du 13 juillet 2017, d'autoriser Madame le maire à signer les pièces contractuelles des marchés passés avec Nice Équipement Service dans le siège social et à zone industrielle Anatole France, impasse numéro 2, bâtiment numéro 3, 06-340, représenté par Madame Jérémy Loret pour les mots 1, 3 et 4, Interpac pour le siège social ici, 518 route de Blanche, 14 Centrale, Torquenay, représentant M. Carrasco pour le lot numéro 5, pour une durée d'un an à compter de leur notification reconductible 3 fois pour une période équivalente. D'autoriser Madame le maire à signer toutes les notifications contractuelles sur le nombre d'exécution et contrats sous-dits. Les crédits destinés au financement de ces dépenses seront inscrits au budget des exercices concernés. Donc, en fait, vous avez des analyses à faire. Merci. Oui. Oui, juste un mot très rapide pour dire ma satisfaction et vous remercier. Lors de la passation du précédent marché, j'avais justement proposé qu'il y ait des produits plus respectueux de l'environnement. Votre délibération va en ce sens, donc je la vote avec grand plaisir. Donc, nous allons Point 9, fourniture de produits d'entretien pour les services communaux. Ah non, c'est bien. Ah oui, non, je suis désolée. Oui, non, c'était simplement pour dire que vous aurez ce complément d'information lundi, hein, parce qu'il vous manque, je pense, à tous une page. Donc on mettra cette page complémentaire dans vos casiers. Point 10, fourniture de repas en maison froide et services pour la restauration collective municipale, marché public, autorisation de signature, Madame Fiche. Ou non, Madame Sakelouba. En 2016, la commune a lancé une procédure de mise en concurrence afin de désigner le prestataire chargé de la fourniture de repas à destination des enfants scolarisés et inscrits en centre de loisirs ou accueillis dans les établissements de petite enfance. L'entreprise de restauration collective Elior a été retenue au terme de cette procédure comme présentant l'offre la mieux disante. À la date anniversaire du contrat, la commune avait décidé de ne pas rencontrer celui-ci. Aussi, une nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée dans le cadre des articles 42 de l'ordonnance du numéro 2015-899 et 27 et 28 du décret numéro 2016-360 relatif aux procédures de marché public des services spécifiques permettant de recourir à la procédure adaptée quel que soit le montant d'achat réalisé pour certaines prestations, dont la restauration scolaire. Le dossier de consultation a été reconduit avec le même niveau d'exigence qualitative, ce qui a permis de fixer les critères d'analyse relevés comme suit : valeur technique à 40% et offre financière à 60%. Le marché ne comporte ni lots ni tranches et donnera lieu à des bons de commande sans fixation d'un montant minimum et maximum de commandes. Il sera passé pour une durée de 1 an renouvelable une fois. Pour rappel, la prestation est prévue pour fournir une base de 236 000 repas scolaires et
42 290 UNI, 24 000 repas ALSH et 5 550 UNI, 47 000 repas pour la petite enfance. Une publicité a été réalisée au bulletin officiel des marchés publics, BOAMB, au journal officiel de l'Union européenne, JOUE, et sur la plateforme de dématérialisation de la vie, AWS. À la date limite de remise des offres, fixée au 3 juillet 2017, le pouvoir adjudicateur a enregistré et ouvert les deux prix reçus dans les délais de Sodexo et Lyon. Le cabinet Riad, assistant à maîtrise d'œuvre de la commune, a présenté un rapport d'analyse sur la base duquel les négociations ont été engagées avec les deux candidats. La demande des négociations étant accompagnée d'un questionnaire sur les éléments de l'offre concernée avec une remise des réponses au 18 juillet 2017. Aucune rapport d'analyse de le pouvoir adjudicateur a procédé au classement et à l'attribution en fonction des critères visés ci-avant établis au règlement de la consultation et l'a présenté en commission municipale de l'éducation du 24 juillet 2017. En conséquence, le classement est établi ainsi, premier Eyor, deuxième Sodexo. Le marché public est donc attribué à la société Eyor Restauration et Enseignement, direction générale PACA, 1 rue Albert Cohen, CRS 30011, 13321, Marseille Sodex 16, comme ayant présenté l'offre la nuit vivante. Il est donc proposé au conseil municipal, plus le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-21, plus les articles 42 de l'ordonnance numéro 2015-899 et 27 et 28 du décret numéro 2016-360 relatif aux procédures de marché public, notamment aux services spécifiques. Considérant l'avis d'appel public à concurrence lancé par la commune en date du 9 juin 2017 et les deux offres présentées par Sodexo et Eyor à la date limite de remise des offres fixée au 3 juillet 2017, considérant le rapport d'analyse des offres et le classement opéré par le pouvoir adjudicateur, d'autoriser Madame le maire à signer le marché pour la fourniture de repas et la gestion du service de restauration scolaire et périscolaire, comprenant également la gestion pendant les vacances de l'ensemble des satellites, avec l'entreprise Société Eyor Restauration Enseignement, direction générale PACA, 1 rue Albert Cohen, CS 30011, 13321 Marseille, CEDEX 16, avec émission de bons de commande sans montant minimum ou maximum et pour une durée d'un an reconductible une fois. Engager toutes les démarches nécessaires pour la bonne mise en œuvre de la bonne exécution de la présente délibération et du contrat, y compris les avenants, ne modifiant pas l'économie générale de celui-ci. Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à ce marché sont inscrits au budget du présent exercice et au budget prévisionnel 2018. Des questions ? Oui, le... Ah, d'accord. Alors, on m'a dit que ça a été envoyé par courriel. Oui, juste pour avancer quelques points, parce que sélectionner le prestataire qui a triché peut paraître étonnant, parce que pour rappel, Elior a triché sur les labels, notamment l'application de label rouge et de label bio, parce que vous avez effectué un contrôle attentif, vous l'avez remarqué, ça a donné lieu à des pénalités à hauteur de 40 000 euros qu'ils n'ont pas contesté. Et à la fin de cette procédure, c'est vrai que c'est un peu étonnant que ce soit Elior qui soit retenu. Pourtant, au vu des éléments que vous nous avez présentés, ce choix semblait s'imposer et je ne conteste absolument pas.
Je dois dire qu'il s'inscrit dans une procédure qui a été bien menée, c'est-à-dire contrôler le délégataire, lui réclamer des comptes, et tout ça en se faisant accompagner par un cabinet conseil pour au final prendre la meilleure des décisions possibles, qui n'est pas forcément une solution idéale, mais c'est la meilleure des décisions possibles pour les habitants. Donc je voterai cette délibération en formulant un vœu qu'elle serve de modèle et qu'elle nous incite à contrôler tous nos délégataires de la même manière. Je pense bien sûr au port, au stationnement, à l'assainissement, etc. Il y a juste eu un petit raté concernant la restauration collective, il concerne le CCAS. Madame Moitry, je ne comprends pas en fait pourquoi vous n'avez pas réclamé que le marché restauration collective soit lié, que la restauration du CCAS soit liée au sein du marché avec la restauration collective. Et je comprends encore moins pourquoi vous avez fait le choix d'un délégataire autre que celui d'Elior. Donc ma question était simple, c'est que s'est-il passé pour que ce raté se produise ? La passation de marché, on aurait pu lier le contrat CCAS et le contrat restauration collective. Il y avait quelques semaines de décalage, je ne pouvais pas. Donc je suppose que l'année prochaine, ils seront liés, les deux marchés. C'est prévu. C'est dans les tuyaux, nous sommes en train de réfléchir, je crois que ça va se faire. Je pense que ce sera une bonne chose. Pour le compte de la ville et donne lieu à la délivrance d'un mandat de vente et à une rémunération du prestataire via un prélèvement d'une commission publique. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Mme le maire à signer la convention relative au prix des prix avec la société Wiesemans après accord de M. le trésorier municipal. Question ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Droit d'entrée des spectacles de saison culturelle du Minotaure. Dans le cadre du développement de l'attractivité de la commune, un certain nombre d'actions doivent être réalisées chaque année, parmi lesquelles une saison culturelle qui débute au mois de septembre de l'année en cours et va jusqu'au mois de juin de l'année suivante. Les spectacles programmés sont produits dans les locaux de l'espace poésie Francis Huger au Minotaure. Afin de faciliter la gestion de la billetterie et la tarification, il est proposé en application de l'article L21-22.22 du Code général des collectivités territoriales de déléguer à Mme le maire de fixer par décision municipale les tarifs pour chaque spectacle organisé par la ville dans une fourchette comprise entre 2 et 50 euros suivant le type et le coût de revient du spectacle. Une réduction de prix pourra être consentie pour les moins de 16 ans, les étudiants, les titulaires de la carte LOL, les titulaires de la carte privilège du port de Golfe-Juan, port Canet-Réunion et les comités d'entreprise publics ou privés. Dans le cas d'une tarification exceptionnelle fixée en dehors de cette fourchette de prix, une délibération du conseil municipal sera proposée. Il est demandé au conseil municipal de fixer la procédure de tarification de billetterie en lien avec l'événementiel comme indiqué ci-dessus. Est-ce que certaines associations de la ville bénéficient d'un tarif préférentiel pour leurs membres ou pas ? Là, visiblement, ça n'est pas prévu. Donc, ça concerne quand même surtout les gros groupes et comités d'entreprise.
Donc pour l'instant, il n'y a aucune association de la commune qui bénéficie d'un tarif préférentiel pour ces membres. C'est une chose que j'avais entendue, justement, qui m'avait étonné, donc je préférais... Non, c'est les comités d'entreprise qui ont... Ah bon, c'est parfait. Pour le moment, ça fonctionne comme ça. Oui. Les seniors, A priori, non. On pourrait intégrer, effectivement, c'est pas plus bien que ça. Il y a même pas mal de gens qui pourraient en bénéficier. Ce qu'on a fait avec le partenariat que nous avons eu avec Madame Moitry, donc le CCAS, qui n'est pas qui est dans le cadre de la semaine bleue, c'est qu'on offre des spectacles, c'est une chose, mais effectivement, on peut regarder. De la verdure, Après, il y avait l'idée de lier un spectacle avec un restaurant. Enfin, il y a beaucoup de choses à l'étude, il faut voir juridiquement comment ça se présente. De manière à pouvoir bien gérer toutes les options. Parce que c'est vrai qu'après, il y a une grosse partie administrative qui est un peu lourde. Donc, vous avez apparemment certifié des résultats, ça donne des résultats intéressants. Donc, pourquoi pas aller plus loin? Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point 13, remise des prix au lauréat du baccalauréat. Donc, je très bien, Mme Sakeli. Afin d'encourager les élèves méritants de nos communes, il est proposé de fixer un prix destiné à récompenser l'obtention d'une mention très bien au baccalauréat. Un prix de 100 euros est proposé pour les élèves effectivement domiciliés sur la commune. Les crédits seront prélevés sur l'article 6714 prévu dans le budget de la ville pour l'exercice 2017. Il est demandé au conseil municipal de fixer un prix de 100 euros destiné à récompenser l'obtention d'une mention très bien au baccalauréat. Combien? 17. Des questions? 17. Combien? 17. 16. 17. 17. Point 14, répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques, convention entre la commune de Bar-sur-Loup et de Valmise-Refugeant, approbation Madame Sakeli. La réglementation du code de l'éducation fixe la répartition financière des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes. Les villes de Valmise-Refugeant et de Bar-sur-Loup accueillent dans les écoles publiques de leur territoire des enfants domiciliés dans ces 10 communes. À ce titre, les dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles, la raison médicale, la fratrie, etc. Il est donc proposé des conventions scolaires entre les communes de Valmise-Refugeant et Bar-sur-Loup, applicables à partir de la prochaine année scolaire 2017-2018 pour une durée totale de 4 années, soit jusqu'à l'année scolaire 2020-2021, et basée selon les conditions financières fixées ci-dessous. Coût annuel pour l'année 2017-2018 à 1 000 euros. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention 6 juin à intervenir entre les communes de Valmise-Refugeant et Bar-sur-Loup, d'approuver le forfait annuel relatif aux frais de fonctionnement appliqués aux communes de Valmise-Refugeant et Bar-sur-Loup, fixé pour enseignement maternel et ou élémentaire d'un élève au titre de l'année scolaire 2017-2018 à 1 000 euros, d'autoriser Madame le maire à signer les 10 conventions. Point 15, construction poste de relevage sur la Saint-Bernard, convention avec l'ASL La Famille, acquisition de parcelle, Monsieur Denis. La commune de Valoris est engagée dans la reconstruction d'un poste de relevage au chemin de Saint-Bernard à Valoris. Alors pour vous expliquer, on a un poste de relevage qui est juste à côté de la passerelle à la fin de Saint-Bernard en allant vers Antilles. Il est en zone inondable, il est souvent inondé et il a plus de 30 ans, il est complètement obsolète. Donc il faut absolument qu'on... Chaque fois qu'il est inondé, on a des problèmes pour remonter les eaux usées jusqu'au cimetière de Saint-Bernard. Donc il avait été prévu de le remplacer et là c'est ce qu'on va faire. Pour ce faire, la commune doit acquérir une parcelle de terrain appartenant à l'association syndicale libre La Farigoule, qui n'est pas en zone inondable.
Il s'agit d'une partie de parcelle cadastrée AD 260 d'une superficie de 66 mètres carrés. Un projet de convention entre la commune de Valoris et la SN La Farigoule a été rédigé afin de définir les modalités d'implantation du nouveau poste de relevage et de préciser le principe de la vente à la ville du foncier nécessaire à cet équipement pour permettre le démarrage des travaux dans les meilleurs délais. Par convention, la SN La Farigoule s'engage également à octroyer des servitudes de tréfonds au bénéfice de la ville pour réaliser le nouveau poste de relevage au réseau d'assainissement avec pause et regard de visite conformément au plan joint en annexe. Lors de l'Assemblée générale de la SN La Farigoule du 24 juillet 2017, les propriétaires se sont prononcés favorablement sur le terme de cette convention qui autorise la ville à acquérir cette partie de terrain. Cette parcelle a été évaluée au prix de 25 000 euros, ce qui est le coût normal. Il faut savoir que ce travail représente à peu près 700 kg, hein, un poste de relevage, c'est quelque chose de compliqué et de cher. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention telle qu'elle est présentée en annexe de la délibération, d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée AD 260 d'une superficie de 66 mètres carrés située chemin de Saint-Bernard appartenant à l'ASL La Farigoule au prix de 25 000 euros conformément aux documents joints. D'autoriser Madame le maire à engager toutes les démarches et à signer tous les documents relatifs aux actes et aux actes dessus exposés. Des questions ? Qui est contre cette question-ci ? Donc nous en avons terminé. J'ai une question de Monsieur Falcou. Quel est le calendrier des travaux de la déviation, durée du chantier, livraison, installation des murs anti-bruit, plantation, etc. Donc la déviation, la durée du chantier, c'est 10 mois. Le fait d'avoir commencé cet été permet de gagner 2 mois. Donc ils imaginent que ce sera sur 8 mois s'il n'y a pas des pluies considérables. La livraison, voilà, c'est selon. Installation des murs anti-bruit, des plantations, etc. Donc ça dans le sens avec l'éclairage, etc. Donc c'est la finition du chantier. Il y a deux giratoires, hein, aussi, je voulais vous dire. Donc un giratoire est à l'entrée de Gosse-Juan, donc qui nous permet d'améliorer l'entrée de Gosse-Juan, qui est fortement demandée par les administrés, et un giratoire sur le point d'Imacier, pour permettre la fluidité du trafic et le contournement, parce que c'est pas vraiment la déviation, puisque c'est un contournement de la liberté, à la demande effectivement de tout le centre qui est saturé, parce qu'effectivement, là, il y a un trafic qui est absolument considérable pour remonter sur Valoris. Donc, il est souhaitable d'avoir une route aménagée. Donc, quand on est arrivé, le gros du travail était fait, puisque le usage, enfin, tout le fond avait été déjà travaillé, était prêt à avoir cette tranche-là de finition de la voie avec des murs anti-bruit et ronds-points giratoires. Donc, les ronds-points giratoires vont nous amener une sécurité à l'entrée de Gosse-Juan qui n'existe pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on nous demande constamment des nodales, des feux rouges, etc., qu'on ne peut plus installer parce qu'il y a une saturation des feux rouges. Donc je pense que le giratoire naturellement est obligé les automobilistes à ralentir à l'entrée de Gosse-Juan. C'est à cet endroit-là où nous avons le plus d'accidents. Mais en fait, enfin, vous le savez, beaucoup de riverains ont regretté que les travaux débutent pendant la saison estivale, parce que c'est vrai que c'est la période où il y a le plus de nuisances. On a les fenêtres ouvertes et les nuisances de bruit, il y a plus de poussière, donc il y a un problème aussi. Là, vous nous dites que logiquement, il n'y aura pas l'été prochain, le tronçon sera livré. Donc, normalement, c'est avril la livraison. Nous n'y étions pas favorables, et techniquement, bon, ils nous ont très compliqué, donc je devrais donner la parole à M. Jacques Marosa. C'est, techniquement, c'est souhaitable de le faire en saison sèche. Donc, effectivement, c'est au-delà de nos espérances, parce qu'il y a plus que sèche. Donc, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Ils n'ont pas de retard, ils n'ont pas d'obstacles. Et si ça continue et qu'on passe des périodes de pluie raisonnables, ils vont aller très, très vite et ils envisagent quand même de finir beaucoup plus tôt. L'idée, c'est de libérer très rapidement le territoire de manière à limiter le plus possible. Si nous avions fait autrement, effectivement, on a calculé avec les ingénieurs, parce que je m'en suis émue, on a eu beaucoup de réunions, on allait sur l'autre saison. Donc
donc c'était très, très embarrassant. Donc là, vous dites livraison début 2018, quoi. Premier trimestre 2018, si tout se passe bien. Si tout se passe dans bien. Dans tous les cas, premier semestre. Avant l'été. Voilà, voilà. Il faut aller très, très vite et c'est la période sèche qui permet de travailler au mieux des intérêts de la compagnie. Et une information a circulé comme quoi le tronçon serait ouvert sans mur anti-bruit et que les murs anti-bruit ne seraient ajoutés que dans une seconde étape après des études du conseil départemental. Là, j'ai vu Eric Ciotti donc récemment parce qu'effectivement, on a donné ce type d'information sur le département et il m'a dit non, qu'il a engagé derrière le mur anti-bruit. Donc le tronçon sera livré avec les murs anti-bruit dès le départ. Oui, alors avec un délai, parce que bon, c'est très très long. Hein, comme vous l'avez vu, c'est des aménagements qui sont très très lourds. Voilà, donc la réflexion aujourd'hui se fait sur le paysager, puisque vous me posez la question. Oui, exactement. Parce qu'on a des demandes diverses et variées, donc de plantation de bigardier, est-ce qu'il est opportun de planter là, pas de planter là, est-ce qu'il faut faire une promenade. Bon, là, c'est quelque chose qui se débat un petit peu avec tous ceux qui ont besoin de plantation de bigardier. Bon, c'est nous qui allons vraiment piloter ce paysager, parce que c'est vraiment au niveau de la proximité des administrés. La décision prendra naturellement à savoir quelles sont les essences qui sont posées. Donc pareil, le paysager sera fait avant la livraison. Je veux dire, quand il y aura livraison du tronçon, on aura la route, bien sûr, on aura les murs anti-bruit et le paysager. Tout en même temps, ça me paraît difficile, mais bon, ça sera concomitant. Je veux dire, ce sera les marchés, c'est toujours pareil, c'est les marchés, c'est très très long, il y a toujours de différents blocages. Je ne vais pas revenir sur le plan administratif, mais on est quand même bien là-dedans, donc là, c'est très très long. Et puisqu'on en est aux questions orales, peut-être que vous pouvez nous dire un mot de la poste, de l'installation de la poste dans les OLA. La poste, ça se négocie toujours. Bon, normalement, elle vient, elle a des exigences assez importantes. Donc, c'est la Cénival qui a ce marché-là qui négocie. Et bon, apparemment, on est toujours sur. Vous êtes toujours en phase de négociation, il n'y a rien signé pour l'instant. Il n'y a rien signé pour l'instant, vous les cas. Non, d'accord. Parce que bon, là, je ne vais pas tarder à contacter Paris directement, parce que c'est vrai que je regarde un petit peu partout. Que la poste se désengage, donc ça m'inquiète un petit peu quand même. Je pense que comme toutes les banques, parce que quand même, bon, sans être une banque, il faut bien le reconnaître, mais enfin on voit bien des publicités pour des placements, etc. Donc on voit bien que la poste s'oriente vers un service peut-être de placement, peut-être bancaire, comme d'autres banques sont en train de s'installer sur notre territoire, comme le Crédit Mutuel, parce que c'est un lieu extrêmement porteur, me dit-on, économiquement, et que là, on voit bien qu'il y a des administrés qui sont là, et qui, donc, quand les banques viennent, c'est bon signe. Bon, la poche, je pense, doit faire le même genre d'analyse que les autres banques. Donc, je les incite fortement à venir, parce que nous avons un besoin. Merci. Voilà, merci. Donc, je vous souhaite de très, très bonnes vacances. Et bien... Merci.